I'm Joshua Ndunda. I'm 23 years old. I come from Kenya in Makueni. I'm an English assistant at Lycée Rompea in Villa Cotre. Je m'appelle Joshua Ndunda, j'ai 23 ans. Et je viens de Kenya à Makueni et je suis assistant de langue au Lycée Rompea à Villacotre. Et je voulais vous parler sur les activités que j'avais pu mener avec réussite avec mes élèves. Et normalement, quand je fais, je vais mes cours sur classe virtuelle en ligne et où je fais quelque chose qu'on appelle café pédagogique. Et il s'agit que moi, avec mes élèves, on se rencontre en ligne, chaque de nous, avec une boisson, soit du café, soit du thé. Et là, on commence à faire l'échange de plusieurs thèmes par rapport avec la des étudiants. Par exemple, il y a des moments qu'on discutait les actualités ici en France, en Europe, aussi au dehors d'Europe. Et on a discuté des musiques, des chansons et tout ça. Je vois comment je peux amener une discussion qui va attirer l'attention des élèves au maximum. Et comme ça, et les élèves parlent beaucoup, on bavarde beaucoup de plusieurs thèmes et tout ça. Aussi, par exemple, il y a des fois que je demande aux élèves qu'est-ce que vous avez fait la semaine passée, ou bien hier, ou bien le week-end passé. Et puis, si un élève dit moi, j'ai regardé un film, alors, je demande à cet élève, est-ce que tu peux nous dire c'était quoi le film? C'était quoi le thème principal? Et là, il nous donne le résumé de ce film. Alors, ça, c'est que je fais mon cours en ligne et c'est vraiment ça marche très très bien. Et je crois, je termine là. Et avant de terminer, je voulais vous parler sur aussi les activités que je fais personnellement pour le confinement. Moi, normalement, je lis les romans de français et aussi les livres pour personnes, pour le développement personnel et tout ça. Et ça marche. Et merci et au revoir.